Sanchez, donc je suis guitariste-chanteur et je suis venu jouer à la médiathèque de Montélimar pour présenter mes compositions et jouer les morceaux qu'on aime jouer. C'est une formule entière, normalement nous sommes quatre. Et là aujourd'hui je joue avec Julien Colliro qui est le batteur de la formation et qui est aussi percussionniste pour cette formation duo. Le duo plus que le quartet, parce que déjà c'est bien moins bruyant en fait, le duo. On peut jouer dans des salles plus petites où l'acoustique n'est pas forcément la mieux adaptée pour recevoir batterie et basse en plus. Et puis aussi parce que ça permet de... on a un champ d'expérimentation normalement avec le duo, on se permet d'essayer plein de choses et de créer de la musique en direct en fait, avec des sampleurs, avec des outils, un petit peu l'ordinateur et tout ça. Et donc ça nous permet de chercher plein de choses, d'improviser et de créer des morceaux pendant une soirée. J'ai plutôt une batterie traditionnelle, on va dire, une grosse caisse, caisse claire, un tom, cymbales et charlier, vraiment un minimum d'un batteur. Et au départ, on avait essayé de travailler des samples, puis après on les a enlevés. On est revenu à quelque chose de plus acoustique et plus brut. Mais concernant le duo, comme il expliquait San tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la recherche et l'expérimentation. On se laisse beaucoup de liberté, donc suivant les concerts, j'amène pas forcément la même chose, ou alors j'arrive avec une nouvelle idée. Là, des fois, on a un pédalier, on peut sampler les parties de percu, je peux faire des percu avec la voix aussi, avec un micro, aller dans d'autres directions, enfin vraiment se laisser des libertés et faire évoluer les morceaux en fonction du lieu, en fonction des gens, en fonction de notre ressenti à tous les deux. On est beaucoup dans l'interaction, l'improvisation, donc vraiment, c'est se donner les moyens de se donner le plus possible de liberté. Adopting this
tout dire, le premier musicien qui m'a fait me donner envie de faire de la musique, qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est Jimi Hendrix, donc c'est un guitariste. Et donc j'ai beaucoup aimé tout de suite le bruit qu'il générait avec son instrument. Donc ça a été ma première phase d'expérimentation musicale. Et puis après, je suis venu au blues, donc plus traditionnel. Et après, j'ai écouté aussi pas mal de soul, mais les vieux chanteurs de soul comme Donny Hathaway, voilà, ou plus récents, enfin, comme George Benson, tout ça, la funk. Enfin, j'aime beaucoup globalement les musiques afro-américaines. Mais j'écoute aussi de la pop, des chansons, la pop folk, j'aime beaucoup la folk, comme Annie DiFranco par exemple, c'est une artiste que j'adore, voilà, et qui fait de la folk typique américaine, guitare-voix, et je suis fan, donc voilà.